Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté toi très bien. Dans la première partie de cette vidéo on va faire la ligue des clubs. Et dans la deuxième partie on fera un pack opening sur mon petit compte sans abo, où j'espère débloquer un nouveau brawler. Mais là on va se concentrer sur la ligue. Alors mercredi et vendredi il y avait que mon pote et moi qu'on la faisait. Et là du coup je lui ai dit non, je vais la faire en vidéo et tout, là on est dimanche. Et là, genre, tout le monde s'active, tout le monde est en train de la faire parce que je vois trois amis. Notre club est rempli 30 sur 30, mais il y a des inactifs. Genre, il y a peut-être la moitié des inactifs qui jouent peut-être une fois par semaine, tu vois. Voilà. Bon, au moins, je suis avec des potes, c'est le principal. Alors, moi, je cherche pas du tout des mecs inactifs et tout. Donc là, je vous montre ce qu'on peut avoir, je pense que vous le savez. Alors, moi, les skins, le Dynamite comme ça, le Squeak, je les aime pas. Il y a que Chicken Rico, je l'appelle comme ça, que j'aime bien parce que c'est KFC et tout, et je trouve ça marrant, et puis même j'aime bien. Donc on va partir en mode coupe star parce que du coup on utilise des tickets, mais au moins on gagne beaucoup plus. Et vu que je ne joue pas avec des membres de mon club, bah gagner plus c'est toujours bien. Alors là on est tombé en Razed Gem. Donc les brawlers méta en ce moment, il y a Byron, avec je sais pas, un H, un Frank, c'est hyper méta. Frank avec son deuxième gadget, c'est méta. Belle, c'est quand même méta. Stu, c'est méta. Voilà, ces brawlers là, ils sont méta. Du coup, moi, je vais prendre Frank. Parce que bah, j'ai le deuxième gadget, du coup, qui rapproche l'ennemi vers lui, qui fait le double des dégâts, c'est hyper fort. Il y a aussi Léon qui est hyper fort. Il y a aussi Emery. Korbac avec son deuxième gadget. Ok, donc là, ils ont pris Squeak. Squeak, ça met la pression, mais c'est pas non plus hyper fort, quoi. Tick, déjà il a pris Tick, donc Tick ça met beaucoup plus de pression que Squeak. En face ils ont pris Rosa, en vrai je sais pas ce que ça va donner Rosa. Léon c'est fort, mais Emery c'est fort. Moi je trouve qu'on a l'avantage. Tick a l'avantage pour zoner sur Squeak, hein, très clairement, et mettre la pression. Le Léon va nous faire chier. Moi je vais faire mon rôle de Frank, hein, le gros bourrin. Et le Emery va m'accompagner sur un side. Allez, même pas de side. Oh non, j'ai hésité à ult, mais j'aurais dû. Je crame mes deux gadgets et après je verrai si j'en crame l'autre. Bah, je pense qu'on va la gagner quand même. L'ennemi a l'air de pas mal jouer. J'ai le logo ici qui fait des siennes là. Oh oh. Oh non, on a perdu, mais sérieusement? Sérieusement? Je faisais... J'étais trop prétentieux. Oh non. Pourquoi le wifi vient à ce moment-là? Thank you.
J'ai 0 gemme. Faut que je tank. J'avais 0 gemme. En plus, je suis... Je pense le perso qui a plus de vie de tout le jeu, Franck. Donc il fallait que je tank. Franck, équipement bouclier plus Star Power, la vie en plus là. Ce serait très fort. Ah, désolé la tour. On la gagne. Ok. Je rejoins le problème, c'est complexe. Ok, on va gagner. Yes! C'était quand même les premières games de Coupe Star à l'époque, là, quand la Coupe Star était sortie. J'avais la pression. Bah là, c'est pareil. J'ai vraiment la pression. Oh, j'ai débloqué un nouveau palier. Attends, on va tricher. On ouvre 7 boîtes. Et 7 boîtes. Et on n'a rien. La méga boîte, en vrai, je vais la garder pour un pack opening. Un prochain pack opening. On va faire ça, mais je vais changer d'endroit parce que la connexion ici c'est pas ouf. J'ai jamais tourné à cet endroit pour être plus précis dans cette pièce. Je vais changer d'endroit. C'est bon, donc je voulais me lancer dans ça, mais c'est Prime. Donc non merci quoi. Donc on va repartir comme ça. Voilà. Ok, zone réservée. Cette map, c'était une nouvelle qui est arrivée. Je la connais. Ok. On est parti en zone réservée. J'ai ban Léon. Voici la map. J'ai pris Franck. J'ai fait un petit cut comme ça va plus vite. Ils ont pris Tic, Beau. Nous, Monsieur M, Jesse. Monsieur M, Jesse, ça met de la pression. Donc, ça va. Corbac en face, ça va être chiant. Tic, ça va être chiant. Beau avec ses mines, ça va être chiant. En fait, eux, ils ont une team de chiens. Mais n'empêche, avec Tourelle, plus Tourelle à Pingouin, c'est aussi chiant. Ouais. En fait, c'est pas vraiment une nouvelle map, hein. C'est un renouveau en map. En vrai, c'est quoi cette map? Pour pas qu'il me touche plus les mines de chiens. Ok. Tourelle placée. Usine à pingouin placée. Vous appelez ça une tourelle à pingouin ou une usine à pingouin? Oh non. J'ai lancé mon attaque. Alors qu'il était plus là.
Mais non, mais il y a des mines de partout. Super back. Oh, quoi, une, encore une mine. C'est abusé. J'ai encore. Il y a combien de mines en réserve, lui? Mais le beau, on dirait qu'il lance 6 mines au lieu de 3 par super. Oui, c'est la gadget. Ok, on l'a rempli. Il manquait plus beaucoup. Donc si je restais, tant pis si je me prenais des dégâts. En réalité, moi je voulais juste foncer comme un bourrin. J'ai plein d'HP, donc... C'est reparti. En fait, c'est pour Halloween, ils ont mis beaucoup de maps ensemble. Ça. Il y a certaines maps, elles étaient mieux. Attendez. Quoi? Hein? Je vais faire de toute façon. Je vais toucher ses mines, ça lui recharge ses mines aussi. Ça compte. Allez, dis-moi qu'on va gagner. On les met bien sous pression. J'ai vraiment raté le stun du beau, mais c'est pas grave, on gagne quand même. Je m'en fous, on gagne. Ouf. Bon, après, on peut racheter des tickets aussi. Mais je sais pas honnêtement si c'est rentable d'acheter des tickets. J'en ai acheté une, je l'ai acheté mercredi avec des gemmes. En fait, j'ai voulu cliquer sur point star, mais j'ai cliqué sur gemmes. Je sais pas si c'est réellement rentable, mais en vrai, les gars, je me disais, je rachète ou pas, mais je pense que la vidéo est déjà longue. Du coup, on va passer sur mon petit compte pour le pack opening. Re les gars, c'est parti pour le pack opening. On commence par là. Allez, je veux débloquer un nouveau brawler. Surtout que là. J'ai toutes les rares, toutes les super rares, donc si je débloque un brawler, c'est minimum épique, donc c'est quand même une barre de chou. Ok, boîte. Y a rien dedans, c'était prévisible en vrai. J'ai jusqu'au palier 40, donc on a une méga boîte. Ok. Moi je vais améliorer H pouvoir 7 parce que j'ai envie de le monter haut. J'ai déjà Jackie pouvoir 7. Le gadget de Jackie, je trouve très bien. Et juste regardez le shop. Corbac, Léon, Emery, offre, pack d'émoticônes, méga boîte, offre, ambre, skin légendaire. Ah, ça pousse pas du tout à acheter. Ah non. Calm pas down, everyone. Bon, honnêtement, les skins, ils sont très très classe. Hein. Mais moi, je me suis fixé une règle dans Brawl Stars. Je n'achèterai jamais de brawler. Même si genre il me manque un brawler à paquet et que j'utilise des centaines de boîtes pour le paquet. Je décide de ne pas l'acheter. Bon, après, il y a des limites quoi. Si c'est un brawler rare et que j'ai ouvert une centaine de boîtes parce que je le pack pas, je l'achèterai, tu vois. Ça coûtera quoi, 9 gemmes dans la boutique. Pour 9 gemmes, je l'achèterai. Il y a des limites, tu vois. Et... Genre, j'achèterai pas de brawler, tu vois. À part si c'est vraiment hyper rentable comme 9 gemmes, sinon j'achète pas. Ok, méga boîte, je regarde pas chier. Allez, un brawler. Ok, gadget de Jackie. Bon, c'est le seul gadget que je pouvais avoir. Je le brawler. Gadget de H, ça fait plaisir. Enfin, potentiellement, le gadget de H.
je vais regarder les autres brawlers à améliorer. Alors Brock, je vous aurais dit, on l'améliore aussi pouvoir 7, mais maintenant sa méga roquette. C'est pas foufou maintenant parce que ça fait pas le double des dégâts ou je sais pas quoi. Du coup c'est moins bien. C'est le saut qui est bien maintenant, mais de base du coup là maintenant avec le nerf de Brock de ses attaques qui vont plus lentement, je n'arrive pas trop à On va se faire une game. C'est un truc à foirer une vidéo. On va se prendre Beau parce que je suis pas fou quand même. Je vais pas prendre Brock alors que je vous ai dit que j'arrivais pas trop à viser avec. En plus c'est vrai. Moi déjà de base pour viser j'y arrive pas trop. J'y arrive, tu vois, sinon je pourrais pas arriver. Au moment si tu vises pas, tu peux pas jouer. Par exemple, si tu vises pas un minimum, pas trop bien, je pense. Je croyais qu'elle était une c'est mort. Il était là. Je suis bien en énergie. J'ai fait 2 kills. L'énergie là, elle va pas être. Les énergies là non plus. J'ai entendu un car dans quelques mouvements et car qui tire pas bien. À moins qu'il capte B, sinon il tire pas pour rien. C'était une belle game. Mais pour foirer, mais c'était une belle game. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.